Alors, est-ce que les Égyptiens connaissaient le nombre pi? Eh bien, la réponse est très simple, elle est négative. Ils ne connaissaient pas le nombre pi, car c'est un nombre qui est apparu bien plus tard que dans l'Antiquité. En réalité, les Égyptiens arrivaient à calculer l'aire du disque qu'ils approchaient en calculant l'aire d'un carré dont le côté vaut 8 neuvièmes du diamètre du disque. De cette manière, ils obtenaient une approximation assez heureuse de l'aire du disque, qui servait notamment à calculer l'aire de volume de grenier cylindrique. Alors, en ce qui concerne le nombre d'or, question classique, puisque, énormément de théories ésotériques adorent évoquer ce fameux très célèbre ou trop célèbre nombre d'or, en réalité, le nombre d'or est de nouveau un nombre irrationnel, alors que, je le rappelle, les Égyptiens travaillent avec des nombres rationnels, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer uniquement en tant que numérateur sur dénominateur, et que ce fameux nombre d'or est en fait un nombre particulier qui exprime le rapport qui existe entre A plus B sur B et qui est égal au rapport de A sur B. Donc c'est un nombre particulier qui vaut 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et si vous faites un effort, ce qui vaut à peu près en nombre décimal 1,618, dans votre salle de bain, je suis certaine que vous pourrez trouver deux longueurs, en faire le rapport et tomber sur quelque chose qui approche 1,618. Donc, on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Non, pas du tout. Non, ça, il faut vraiment définitivement laisser tomber. Les anciens Égyptiens étaient des gens très pratiques, très pragmatiques. Et donc, on construisait en fonction des besoins. En fonction des besoins du bâtiment que l'on était en train de construire, mais sans chercher de proportions particulières. Alors, en ce qui concerne le niveau mathématique des Égyptiens, il y a parfois des petites guéguerres entre spécialistes, et c'est surtout en les comparant, si vous voulez, à leurs grands voisins, qui sont les Babyloniens. En réalité, ces deux civilisations ont fait face à peu près au même problème, c'est-à-dire une étendue de terre finalement relativement aride, traversée par des fleuves, le Tigre et l'Euphrate pour les Babyloniens, et le Nil pour les Égyptiens. Et donc, dépendant, si vous voulez, de ces fleuves pour assurer la survie de leur société, ce sont des civilisations qui ont été amenées très vite à mettre en place une administration très efficace. Qui dit administration dit comptabilité, qui dit comptabilité dit scribe, mathématicien, compte administratif, etc. Et donc, en fait, on peut penser que les mathématiques pour ces deux civilisations ont évolué vraiment en même temps et de manière parallèle, avec de temps en temps une petite trace d'échange entre les deux. Il faut aussi ajouter un autre argument, c'est que le système de numération des Égyptiens était décimal, c'est-à-dire basé sur la puissance de 10 comme nous l'utilisons encore aujourd'hui, tandis que les Babyloniens, par exemple, ont choisi de travailler dans un système sexagésimal, c'est-à-dire basé sur une puissance de 60. Ce qui signifie bien encore là la différence qu'il y a eu et l'évolution parallèle mais pas concertée des mathématiques en concernant ces deux civilisations. Alors, concernant l'origine de la coudée, il faut savoir que ce n'est pas une spécificité de la civilisation de l'Égypte ancienne. Beaucoup de civilisations anciennes ont utilisé le corps humain pour exprimer les différentes mesures de longueur. Pensez aux pieds, par exemple, des Britanniques. Et donc, si vous voulez, la coudée représente vraiment la longueur du bout des doigts jusqu'au coude, d'où le nom de coudée que nous lui avons donné. En égyptien, ça se dit « mais », ce n'est pas le même nom. Et cette coudée est divisée en 7 pour obtenir une paume, et chaque paume est divisée elle-même en 4 doigts. Donc c'est vraiment la paume, et encore une fois là, on ne quitte pas le domaine du corps humain. Et cette longueur de 52,3 cm qu'on lui donne actuellement n'est absolument pas issue d'un calcul mathématique, ce nombre est simplement issu de l'observation des coudées qui nous sont parvenues. On les a toutes mesurées, si vous voulez, en sachant qu'on ne les a pas toutes retrouvées entières, mais parfois en fragments, fragmentés. Et ce 52,3 cm n'est que la longueur moyenne, finalement, de ce que l'on a pu observer sur les échantillons de coudées qui nous sont parvenus.
Alors, concernant donc la passation de connaissances de l'Ancien Empire jusqu'au Nouvel Empire, alors au niveau des mathématiques, eh bien, encore une fois, nous sommes limités dans notre analyse par la médiocrité du corpus des documents égyptiens, parce que nous n'en avons pas beaucoup. Le papyrus Rhind et le papyrus de Moscou, considérés comme les deux sources principales, sont assimilés à la période du Moyen Empire. Nous n'avons pas vraiment de documents mathématiques qui auraient été écrits à l'Ancien Empire, et nous n'avons pas de documents mathématiques spécifiquement écrits au Nouvel Empire. D'accord? Donc, nous avons des documents du Moyen Empire. Donc, à partir de là, il est un peu difficile de savoir s'il y a eu vraiment une évolution entre l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Par contre, si on prend une période encore plus récente, c'est-à-dire l'époque ptolémaïque, qui suit donc directement la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand et surtout la libération des Perses par l'Égypte, là on peut constater une réelle évolution, puisque dans ces documents démotiques, donc de l'époque ptolémaïque, on a évidemment déjà des influences perses et des influences macédoniennes ou grecques dans ces documents. Et donc on peut alors à ce moment-là vraiment observer des évolutions dans les procédures ou des similitudes dans les procédures par rapport aux documents du Moyen Empire. Alors, comment on construit une pyramide d'un point de vue mathématique? Donc, je ne vais pas vous répondre ici en vous parlant des théories des rampes circulaires, frontales, etc., etc. Mais je peux vous donner un élément, en tout cas mathématique, qui est rentré de manière certaine, les problèmes mathématiques nous le montrent, dans la construction des pyramides. Imaginez que vous êtes un architecte ou que vous êtes amené à répondre à la demande de votre pharaon qui est de construire une pyramide, disons, de 300 coudées de côté. Donc une pyramide régulière à base carrée. Bon ben, vous allez commencer très simplement par tracer un carré au sol qui sera la base de votre pyramide régulière. Et ensuite, eh bien, vous allez être amené à poser votre premier niveau de bloc. Admettons que nous remplissons donc ce carré, cette base, avec un premier niveau de bloc. Ensuite, nous devons poser un deuxième niveau, un troisième niveau, etc., etc. Comment faire pour s'assurer que vous allez élever niveau par niveau en obtenant un monument qui va s'élever de manière hyper régulière, c'est-à-dire sans que ça vrille, par exemple. On peut imaginer facilement que si on fait ça n'importe comment, eh bien, on peut arriver alors à des vices de construction relativement rapidement, sans atteindre forcément le centième niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la manière la plus simple, c'est de contrôler le niveau d'élévation sur toute la longueur de la face, et ceci pour les quatre faces en même temps. C'est ce que l'Égyptien va faire, et c'est ce que ces textes mathématiques nous montrent. Comment contrôler l'inclinaison de ces faces? Eh bien, c'est bien simple. Si ma carrière m'a fourni des blocs d'une coudée de hauteur, eh bien, je vais reculer le deuxième niveau d'un certain nombre, d'une certaine longueur. Ça, c'est ce qu'on va appeler le séquette. Donc, pour une coudée de hauteur, je vais reculer de 5,5 paumes, par exemple. Si je fais ça sur toute la longueur de la face et sur les quatre faces en même temps, je ne peux obtenir qu'une élévation régulière de mon deuxième niveau par rapport à mon premier niveau. Admettons maintenant, j'entame mon troisième niveau, je dois commencer à poser les blocs de ce troisième niveau, mais cette fois-ci, la carrière m'a fourni des blocs qui ne font qu'une demi-coudée de hauteur. Eh bien, c'est bien simple, c'est un système de proportion, puisque pour une coudée, je recule d'un séquède, eh bien, pour des blocs d'une hauteur d'une demi-coudée, je vais simplement reculer d'un demi-séquède, et ce n'est qu'une histoire, donc une règle de trois, si vous préférez, une histoire de proportion. Si je fais ça jusqu'au niveau le plus élevé de la pyramide, eh bien, je vais obtenir un monument hyper régulier, comme nous le montrent encore les trois pyramides de Gizeh à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on a déterminé ce séquède? 5,5 n'est pas tombé du ciel comme ça, ce n'est pas un nombre ésotérique, encore une fois. Et donc, ce nombre est issu de l'expérience. Si vous pensez à la pyramide de Dachour, en Égypte, on l'a construit de manière un petit peu trop aiguë, donc les pentes des faces étaient un petit peu trop fortes, et à la moitié du monument, eh bien, on a eu un petit peu peur et on a réduit l'angle de ses faces. C'est pourquoi cette pyramide se retrouve avec, on appelle la pyramide rhomboïdale, parce qu'elle a une cassure, si vous voulez, dans ses faces. Et donc, c'est par ce jeu d'essais-erreurs qu'on a finalement déterminé un séquède idéal de 5,5 paumes.
Alors, en ce qui concerne ces fameuses proportions, ces rapports de proportions concernant les pyramides, il faut savoir qu'une pyramide est déterminée par deux données, une pyramide régulière à base carrée est déterminée par deux données qui sont la longueur du côté et sa hauteur. Donc, moi, je n'y vois pas une proportion particulière, si vous voulez. Mais il se fait que les angles qu'on a pu observer donc, grâce à ces mesures et qu'on a calculé donc, les inclinaisons des faces tournent toujours aux alentours de 51, 52, 53 degrés, qui est finalement, par l'expérience, l'angle que les anciens Égyptiens ont choisi d'appliquer pour avoir eh bien, à la fois un résultat esthétique intéressant et à la fois donc, une stabilité de la construction. Alors l'alignement stellaire des pyramides, je n'y crois pas, je n'y crois pas du tout. Je ne dis pas par là que les anciens Égyptiens étaient incapables d'observer le ciel et n'avaient aucune notion d'astronomie, ce qui est tout à fait faux. Il suffit pour ça de penser à l'étoile Sotis, ou Sopedet en égyptien, dont le lever solaire était observé et le coucher solaire était observé. Le lever solaire de cette fameuse étoile Sotis, annonçant, si vous voulez, l'arrivée des crues. Hein, et on connaît bien sûr l'importance pour une civilisation comme l'ancienne Égypte des crues du Nil. Donc c'était l'observation de cette étoile, par exemple, a permis d'annoncer les crues. Donc je ne dis pas que les Égyptiens n'avaient aucune notion en astronomie, pas du tout d'astronomie. Maintenant, encore une fois, vouloir absolument comparer l'alignement des pyramides de Gizeh avec, par exemple, le baudrier d'Orion, mais ça, je n'y crois vraiment pas. Parce que mettez-vous à la place d'un ancien Égyptien qui n'avait évidemment pas les instruments d'observation que nos astronomes ont maintenant, comment aurait-il pu, en observant à l'œil nu cette fameuse constellation d'Orion, et de vraiment établir les distances précises qui séparent les trois étoiles du baudrier pour les reporter ensuite à une dimension plus importante sur le sol. Alors, en ce qui concerne l'influence que les anciens Égyptiens ont pu avoir, on va dire dans le monde entier, eh bien, la grande question est, ont-ils pu, à l'aide des bateaux qu'ils construisaient, par exemple, traverser l'océan Atlantique? Alors, rien n'est moins sûr, donc rien absolument ne permet d'étayer cette théorie. Alors, certains sont pour, certains la défendent, certains, ne la prolongent pas. Et donc, c'est toute une question. Maintenant, comparer les pyramides de Gizeh, par exemple, avec les pyramides du Pérou, eh bien, pour moi, c'est tout à fait anachronique et ça n'a pas, ne repose sur aucune base scientifique. N'oublions pas, que les Incas, ça date de 1500 après Jésus-Christ. Et qu'en 1500 après Jésus-Christ, eh bien, la civilisation égyptienne était depuis bien longtemps, arabisée, par exemple. Hein. Donc, et que les Arabes, par ailleurs, n'ont pas poursuivi ce type de construction. Hein. Donc là, je dirais absolument pas. Par contre, entre les anciens Égyptiens et leurs grands voisins mésopotamiens ou babyloniens, là, il est sûr, bien entendu, qu'il y a eu des échanges, puisque par les campagnes militaires, notamment de Thoutmôsis III, de Ramsès II, eh bien, on sait très bien que les anciens Égyptiens voyageaient bien au sud, vers la Nubie, par exemple, et voyageaient dans tout le couloir syro-palestinien, où là, bien sûr, ils rencontraient donc des peuples comme les Hittites ou bien les Babyloniens. Donc, concernant donc, les expériences qui ont été menées, hein, donc, pour franchir l'Atlantique sur un bateau construit à l'Égypte, à l'égyptienne, pardon, hein, suivant les méthodes des anciens Égyptiens. Alors, oui, ça a été réalisé, donc c'est possible. Ce n'est pas parce que c'est possible que ça a réellement existé. Ça, c'est une première chose. Alors, si on devait parler, admettons que ça a été possible et que cela ait existé, si on veut absolument introduire une filiation, ou supposer une filiation entre les idées des pyramides égyptiennes et l'idée de construction des pyramides péruviennes, alors il faudrait, me semble-t-il, qu'on ait trouvé à la même période de l'Antiquité, qu'on ait trouvé des vestiges de pyramides au Pérou, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ces pyramides datent bien du XVe siècle, c'est-à-dire de l'époque des Incas. Là, j'aurais dit que ça ajoutait vraiment un argument significatif, mais ce n'est pas le cas. Alors, il y a deux points de vue que l'on peut adopter. D'abord, jusqu'où les anciens Égyptiens se sont-ils déplacés? Eh bien, en fait, les anciens Égyptiens n'étaient pas un peuple très expansif. Bien sûr, ils protégeaient leurs frontières,
Je pense par exemple aux frontières du sud, donc de la Nubie, et donc bien sûr ils repoussaient leurs ennemis. Il y a bien entendu des pharaons tels que Sésostris Ier qui a reculé de plus en plus cette frontière sud et qui a construit des forteresses pour consolider cette frontière au sud. Et en ce qui concerne plutôt le nord, et ce que les anciens Égyptiens dénommaient l'Asie, eh bien on a le couloir syro-palestinien. Et il est vrai que là, on a des pharaons comme Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis III et Ramsès II, qui ont été quand même assez haut dans le couloir syro-palestinien. Mais encore une fois, dans le couloir syro-palestinien, on a la frontière entre cet ennemi juré des Égyptiens qui sont les Hittites, puis Ramsès II fera un traité donc pour signer la paix avec les Hittites. Et donc, encore une fois, cette expansion est plutôt une réaction, une protection de frontières, si vous voulez, plus qu'une expansion réelle au niveau du territoire. Donc, bien sûr, sur ce territoire, on a retrouvé des artefacts égyptiens. Mais les Égyptiens ont eux-mêmes emprunté, par exemple, à ces civilisations du couloir syro-palestinien certains dieux, hein, pour créer alors des dieux syncrétiques entre les dieux égyptiens et les dieux de ces contrées plus exotiques, si vous préférez. Maintenant, on va retrouver également des artefacts égyptiens à Rome ou dans d'autres régions du monde. Il ne faut pas oublier que, la civilisation de l'Égypte ancienne court sur près de 3000 ans, hein, au moins 3000 ans, et que du temps de l'Antiquité, c'était déjà une destination touristique. On a retrouvé des graffitis grecs, on a retrouvé des graffitis en latin, etc. Et donc, évidemment, ces gens ramenaient des choses dans leur propre pays, qui provenaient, de l'Égypte. Et puis, ne parlons pas de tous ces obélisques, n'est-ce pas, qui se retrouvent à travers le monde entier et qui ont été distribués, plus ou moins, suivant les aléas de l'histoire. Alors, en ce qui concerne certaines techniques de construction, si on reprend la comparaison entre les anciens Égyptiens et les Incas, on peut effectivement constater une ou deux similitudes. Alors, je vous explique directement. Si vous prenez le temple de Khéops, donc sur le plateau de Gizeh, je ne sais pas si vous l'avez bien en tête, mais vous avez des parois qui sont constituées de blocs parfois énormes. Et ces blocs n'ont pas toujours une section rectangulaire, c'est-à-dire il y a des angles qui se forment dans ces blocs. Malgré tout, l'ajustement de ces pierres est millimétré. On ne peut pas, comme on le dit souvent, glisser une feuille de papier à cigarette entre ces deux blocs. Eh bien, on retrouve cette particularité dans les blocs du Machu Picchu, par exemple, dont certains présentent même beaucoup d'angles, pas seulement un seul coin qui est enlevé, mais vraiment des angles multiples. Ce sont des pierres assez colossales à déplacer et à mettre en place, et en même temps, elles sont ajustées de manière impeccable. Ça, c'est un parallélisme que je vois entre les anciens Égyptiens et les Incas. Mais encore une fois, cela n'implique aucune transmission spécifique. Donc, concernant évidemment la motivation de la construction de monuments tels que les pyramides ou tels que les temples, les obélisques, etc., eh bien évidemment ces monuments ont une dimension funéraire en ce qui concerne les pyramides et en tous les cas cultuelle en ce qui concerne les temples et les obélisques. Donc vous savez, tout le monde sait cela, que les anciens Égyptiens vouaient un culte tout particulier au dieu Ré, c'est-à-dire au soleil. Et le soleil donne la vie grâce à ses rayons lumineux. C'est grâce au soleil que la vie se développe sur Terre, qu'elle soit la faune, la flore et le genre humain, évidemment. Un obélisque, on l'explique par le fait que c'est un rayon de soleil pétrifié. D'accord ? Donc ça, c'est la signification d'un obélisque. Quant à la forme pyramidale, que ça soit finalement la pyramide à degré de Djoser, qui est la toute première, et puis les pyramides à face lisse qui vont venir par la suite, dans les dynasties suivantes, eh bien l'idée finalement est de construire un monument qui va pointer le plus haut possible vers ce fameux astre qu'est le soleil. Alors concernant donc la motivation des pyramides, il est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi une telle débauche finalement de travail pour construire un simple tombeau. Alors oui, les pyramides sont bien des tombeaux, puisque le but, dans la religion égyptienne, si vous voulez, quand le défunt est enterré, eh bien, il suit le parcours du soleil. Donc, il accompagne le soleil dans sa barque
parce que le soleil navigue sur une barque nocturne, et puis quand le jour arrive, il poursuit son chemin, toujours suivant le soleil, dans sa barque diurne. Et donc, la pyramide, si vous voulez, est finalement va servir à accueillir le défunt, c'est-à-dire sous la forme de momie, hein, donc la momie du pharaon, et dans un bâtiment qui va faciliter, si vous voulez, le contact entre cette momie et le dieu Ré. C'est ça l'objet de la pyramide. Alors, il faut pas oublier que les pyramides, ont été ouvertes soit par les Arabes, soit par des pilleurs de tombes, soit encore par des explorateurs du 19e siècle, tels Belzoni, etc. Et que souvent, au 19e siècle, au 18e siècle, on les a trouvées vides. Mais oui, parce qu'elles avaient été pillées auparavant. Et on pillait les momies parce qu'on savait évidemment que à l'intérieur des bandelettes, il y avait des amulettes en or, des bijoux, etc. Et donc beaucoup de ces momies ont disparu parce qu'elles ont été pillées, tout simplement. Donc, voir dans les pyramides du plateau de Gizeh, et plus spécifiquement dans celle de Khéops, c'est la plus grande. Donc, c'est toujours sur elle à elle qu'on plaque toutes les théories possibles et imaginables. Y voir un immense réservoir d'énergie ou une centrale énergétique ou des choses pareilles. Moi, je suis beaucoup trop rationnelle, je suis une mathématicienne et donc je ne peux absolument pas croire ça. Bien sûr, il y a eu des tas de mesures qui ont été prises dans ce bâtiment, dans ce monument, extraordinaire, mais ce sont des calculs de champs magnétiques, ce sont des calculs physiques, je ne suis pas une spécialiste du domaine, qui ont permis par exemple de mettre en évidence, grâce à des mesures de gravité, le fait qu'il y ait peut-être encore des vides dans cette pyramide. Une chose est certaine, cette pyramide n'est pas pleine. Elle n'est pas pleine puisqu'il y a déjà la grande galerie, il y a la chambre du roi, il y a la chambre dite de la reine, etc. Mais il est fort possible que certaines cavités, outre les structures qui permettent au monument de tenir, aient été comblées avec des gravats et ce genre de choses. Donc ces différences de gravité, elles s'expliquent tout à fait par la manière dont elles ont été construites. Mais je n'y vois absolument aucun phénomène énergétique autre que des choses bien, bien tangibles. C'est très délicat pour moi de répondre à ce genre de questions parce que je n'y crois absolument pas. C'est parler pour faire parler, si vous voulez. C'est parler pour s'écouter. Ça ne repose en général sur aucun fondement scientifique. Mais ça utilise des comparaisons qui sont faites à mauvais escient. Ce sont des théories qui se construisent sur elles-mêmes, en fait. Et donc, elles tournent en rond, et pour moi, elles ne signifient absolument rien de tangible et de concret. Et donc, pour moi, elles ne sont pas scientifiques. Pour les scientifiques, pour les spécialistes d'un domaine, on a toujours l'impression de perdre son temps quand on l'utilise à vouloir démonter des constructions tout à fait farfelues, si vous comprenez ce que je veux dire. On préfère, bien entendu, utiliser son temps à démontrer ou à montrer des constructions ou à travailler à l'interprétation de ces fameuses scènes dont je parlais, etc. On préfère travailler pour construire et pas travailler pour détruire. Vous comprenez? Et en fait, ces théories, elles sont trop facilement, elles sont tellement certaines, sont tellement farfelues, elles sont démontables très facilement et ces personnes sont souvent des personnes de très mauvaise foi. Donc vous allez leur dire, mais enfin, on va reprendre l'exemple de la chambre du roi qui aurait accueilli, qui montrerait l'emplacement de l'Atlantide et qui aurait accueilli l'Arche d'Alliance, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du melting pot historique. On va prendre des idées, on les colle ensemble sans aucune. Et donc, c'est une perte de temps de démonter ce genre de théorie. C'est mon point de vue. Donc, j'imagine que derrière, il y a un intérêt commercial de la part de ces personnes de faire vendre, de faire parler. L'Égypte ancienne, ça passionne toujours les foules. Et donc, un magazine, il suffit de voir le nombre de magazines qui traitent d'ailleurs de l'Égypte ancienne. Il y en a pléthore dans les librairies. Et donc, j'imagine que ça fait vendre. C'est la seule explication que je trouve à ces fumisteries, comme j'aime bien les appeler.
Ah non, non, non. Donc, on a découvert effectivement des cartouches du pharaon Khéops, donc dans les chambres de superposition, donc des linteaux qui soutiennent donc la pression au-dessus de la chambre du roi. Alors, on a retrouvé un cartouche du nom de Khoufou, qui existait bien sûr du temps du pharaon, puisque à la 4e dynastie, on a déjà une écriture hiéroglyphique qui est tout à fait formée, avec sa grammaire, avec ses hiéroglyphes propres, etc. Donc le nom de Khoufou existait bien sûr déjà à la 4e dynastie. Alors, si mes souvenirs sont bons, il est tracé de manière à main levée, hein, donc ce n'est pas des beaux hiéroglyphes gravés, parce que les pyramides de la 4e dynastie sont anépigraphes, donc il n'y a absolument rien d'inscrit dans les parois internes de ces pyramides. Il faut attendre la 5e dynastie pour avoir les premiers textes qu'on appelle d'ailleurs les textes des pyramides, qui viennent en renfort, si vous voulez, de la momie du roi et qui sont des textes typiquement funéraires. Alors, pourquoi la pyramide de Khéops, par exemple, comprend toutes ces chambres? Eh bien, on peut évidemment, comme c'est dans le cas d'ailleurs d'autres tombes, on a des tombes familiales. Donc là, on peut très bien comprendre qu'il y ait plusieurs chambres, et par exemple, une chambre pour accueillir la momie du roi et une autre chambre pour accueillir la momie de la grande épouse royale, donc de la reine, si vous voulez. Maintenant, pourquoi cette complexité? Alors, je pense qu'il y a des complexités de la construction qui peuvent s'expliquer par de la physique. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un poids, une pression énorme dans ce type de construction. Et cela explique par exemple les différentes chambres de décharge qui se situent au-dessus de la chambre du roi. Ceci pour répartir donc la pression des poids de la construction elle-même, donc des blocs qui sont situés au-dessus, pour la faire glisser sur les côtés et donc pouvoir maintenir une chambre rectangulaire qui ne s'effondre pas sur elle-même. Alors, une autre type de construction, ce sont les fameuses voûtes à encorbellement, donc qui surplombent par exemple la grande galerie, si on parle de la pyramide de Khéops. Et là, encore une fois, pour moi, il s'agit de répartir la pression. Donc, on n'a pas fait un toit, si vous voulez, à forme triangulaire lisse, mais c'est formé de plusieurs couches, donc qui forment les encorbellements, et ce pour répartir la pression sur ce grand couloir. Maintenant, à quoi a servi ce grand couloir? Cette grande galerie mène évidemment à la chambre du roi. Donc, on peut imaginer que le sarcophage royal, qui est toujours en place, hein, qui est du granit rose, a dû être acheminé par cette grande galerie. Maintenant, pourquoi l'emplacement actuel, etc. Ça, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas vous répondre. Alors, concernant les détériorations que l'on peut malheureusement observer dans les temples égyptiens, il y en a une qui n'échappe à personne, c'est que souvent, on a donc les figures des personnages ou les jambes ou les membres des personnages qui sont martelés, c'est-à-dire piquetés, et ceci a été fait à dessein par les Coptes quand ils ont occupé nombre de ces bâtiments anciens, puisqu'ils les ont utilisés comme basiliques, comme habitations, ils y ont fait du feu à l'intérieur, c'est pourquoi on a parfois de grandes traces noires sur le plafond donc de ces monuments. Et en fait, les Coptes, si vous voulez, étaient effrayés par les personnages qui avaient été dessinés sur ces murs. Ils avaient l'impression, quelque part, si vous voulez, que par magie, ces personnages allaient s'animer et sortir du mur. Et donc, en martelant les jambes, on les empêchait de se mouvoir éventuellement, et en martelant la figure, eh bien, on empêchait donc d'être observé par ces fameuses figures. Alors, l'argument massue déjà, c'est qu'elle date. Vous allez dire, la palisse en aurait dit autant, mais ce bâtiment a bougé, bien sûr. Nous le voyons aujourd'hui, mais pas dans l'état du tout finalisé tel qu'on l'a voulu, tel que les anciens Égyptiens l'ont voulu, puisque les faces étaient lisses déjà. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'il y avait 8 faces? Est-ce qu'on voyait cette ombre, soi-disant, que l'on voit maintenant? Alors on peut quand même concevoir également que de l'Antiquité jusqu'à nos jours, eh bien ces faces se soient légèrement creusées, qui est, si vous voulez, un léger effondrement dans la structure de ces pyramides. Et que du coup, eh bien, il y a ce jeu d'ombre, parce qu'en finalement, il ne s'agit que d'un jeu d'ombre, on est bien d'accord. Il n'y a pas une ligne qui coupe vraiment les faces en deux, hein, comme,
comme à Dachour, la pyramide rhomboïdale qui est coupée horizontalement par deux angles. Là, c'est très clair. Ici, on n'a absolument pas le même genre de constatation. Et donc, on peut imaginer simplement que c'est un léger effondrement qui provoque donc ce jeu d'ombre et qui donne l'impression qu'elles ont huit faces. Mais pour moi, elles n'ont pas. Alors, concernant donc les documents écrits, donc les papyri que l'on a retrouvés concernant la civilisation égyptienne, eh bien, si vous voulez, on les a retrouvés dans divers endroits, dans des temples. Je pense notamment au Ramesséum, hein, quand vous avez donc un texte qui est précédé par la lettre R majuscule, eh bien, ça veut dire que c'est un texte qui provient donc d'un document trouvé dans les magasins du temple, donc du Ramesséum, du temple de Ramsès II. Maintenant, on a découvert des documents un petit peu partout, donc au travers de l'Égypte ancienne. Et on a quand même un corpus relativement important. Donc on a des textes funéraires, on a des textes littéraires, on a des contes, on a même une fable ou deux, hein, c'est souvent méconnu, mais on a cela. On a des documents mathématiques, on a des documents de médecine, donc avec des remèdes concernant certaines maladies, etc. On a des documents astronomiques et on a des documents mathématiques, bien entendu, aussi. Donc, on a quand même un corpus qui est relativement diversifié, si vous voulez, et qui, suite au déchiffrement des hiéroglyphes de 1822, mais a permis, finalement, d'appréhender toute une dimension importante de la civilisation égyptienne et qui nous a permis de la comprendre, en tout cas, de connaître des éléments très intéressants sur cette civilisation. Alors, comprendre, pas toujours, hein. Je parle par exemple de la littérature funéraire. Ce sont des textes qui sont quand même très, très fouillés, hein. Donc, où il y a énormément de dieux qui sont utilisés, qui sont, et des syncrétismes aussi funéraires qui sont utilisés. Et donc là, il faut vraiment être un spécialiste de ce type de texte pour vraiment bien saisir ce que comment l'ancien Égyptien voyait, si vous voulez, cette vie, finalement, après la mort. Alors, concernant bon, la part de mystère que dégage quand même toujours cette civilisation, elle dégage toujours ce mystère, c'est pour ça qu'il y a toujours autant de passionnés de la civilisation égyptienne, par ailleurs, c'est parce que son art, ses textes funéraires, ces temples, eh bien, sont très complexes. Il y a énormément de choses à observer dans ces temples. Et en ce qui concerne, par exemple, la littérature funéraire, donc il faut vraiment être un spécialiste pour pouvoir décoder cette littérature funéraire. Et elle est remplie, si vous voulez, d'images, de symboles, non pas trop le mot symbole, mais de, ils nous transmettent des concepts funéraires, des idées qui pour nous restent quand même encore parfois très difficiles à interpréter. Et moi, ce qui me frappe en tant que mathématicienne, sans doute, c'est la symétrie des scènes. Quand vous regardez une scène sur le mur de droite, vous pouvez tourner votre tête sur le mur de gauche et vous allez avoir le pendant. Il y aura une connexion entre ces deux scènes, que ça soit entre, par exemple, la déesse Isis et la déesse Nephthys, etc., etc. Donc, vous avez cette symétrie quelque part. Et une chose qui est certaine, certaine avec les anciens Égyptiens, c'est que quand ils dessinent quelque chose ou quand ils font quelque chose, ce n'est jamais, jamais, jamais dû au hasard. Il y a toujours une excellente raison. Et cette raison, parfois, on la saisit entièrement et correctement, et parfois, eh bien, il reste une part de mystère.